Salut! On a le printemps! Non, mais il paraît qu'officiellement, le printemps est à 5 heures cet après-midi. Mais c'est ça. C'est encourageant, hein? Nika, t'es-tu content? Oui, elle m'a dit qu'elle va m'acheter Super Mario Deluxe. Je suis 2 semaines sans marche avec maman pour prendre l'autobus. Ouais, c'est ça. Il rêve d'avoir Mario Deluxe. Vous savez, je vous l'ai déjà dit. Puis là, aujourd'hui, j'ai dit peut-être qu'il faudrait que tu ferais beaucoup d'efforts pour avoir Mario Deluxe. Puis là, il dit comme quoi? J'ai dit, ben, comme te rendre à l'arrêt d'autobus tout seul. Fait que là, j'ai dit, faudrait que tu fasses au moins comme 2 semaines en ligne. Fait que là, il est prêt à le faire tout de suite à matin. Mais ça, j'ai dit, tu sais, c'est sûr que j'ai dit, maman, elle aime ça, par exemple, aller marcher avec toi. C'est pas ça le problème. J'ai dit que normalement, tu serais supposée d'y aller toute seule quand même, là. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir, comme, décider si un matin j'y vais ou j'y vais pas. Fait que, on part ça aujourd'hui. Mais t'es sûr, Lulu, là, t'es confiant? Ouais. OK. Oui? Non, pas pendant les 10 jours, par exemple. Mais après, oui, là, je vais pouvoir décider d'y aller pareil, ça changera rien. Là. Tu pourras décider, mais si tu iras, moi, je pourrais toujours aller d'aller. Non, non. En tout cas, non. Là, c'est ça, Lucas, matin, il va voir un spectacle au Cégep. C'est drôle, il va être à la même place que Nick. Les deux frères vont être dans la même bâtisse, ça va être, je trouve ça drôle. Ils vont avoir un spectacle au Cégep, puis Nick, ben, il y a un cours à matin. Après ça, que je voulais dire, ben là, c'est ça, on est rendu mercredi le 20 mars. Puis, Cathy, elle a fait une belle nuit. Ça fait quelque chose de suite qu'elle dort bien, là. Hein, Cathy, ça va bien, hein? Ouais. Et non, l'ordinateur, et non. Non. Fait qu'en tout cas, je vous laisse là-dessus. Parce que là, Lucas, il faut que ça s'habille, puis on s'en reparle plus tard. Bonne journée. Bon, ben, la suite du développement, c'est que finalement, il voyait. À un moment donné, il avait envie de reculer. Puis là, j'ai dit, pour le premier matin, je suis prêt à aller te reconduire à l'arrêt. Mais je pars. Tu sais, je vais juste aller te reconduire, j'ai envie de bord, avant que l'autobus arrive. Là, c'est ça qu'on a fait. Fait que c'est un grand pas quand même, là. Fait que là, j'ai dit, pour les 3 prochains jours, on pourrait fonctionner de même. À partir de la 4e journée, pour vraiment qu'il y ait tout seul au complet. Fait que là, j'étais un peu stressée, parce que l'autobus n'est pas encore passé. Fait que là, j'attends pour voir si il va bien embarquer. Fait que ça sera une grande étape, non une grande étape, mais tu sais, je veux pas là, revenir à zéro non plus, là. En tout cas, je vous retiens au courant. Bon, la bus, ça s'en va. Bon, ben, il est bien parti dans l'autobus. Fait que c'est un grand pas. Fait que là, je vais faire un calendrier, puis tu sais, je vais écrire tout, comme ma tête est allée, et je suis allée à l'arrêt, mais je le verrai de bord avec l'autobus arrive. Fait que je vais tenir ça... Puis, sauf qu'il fasse 10 jours consécutifs. En tout cas, je vous retiens au courant. Je suis contente. C'est un grand moment quand même. Fait que. Regardez Cato, elle joue avec sa pomme. Ouais. Fait que là, ben, je vais activer. Je vous reparle. Je vous montre ma petite Cato ce matin. Habillée, coiffée. Je pense qu'elle est souvent ça, c'est divan le matin, là. C'est ça le fun. Elle découvre sur le salon. Elle aime ça aller jouer dans son bac à jouer à cette heure. J'ai tellement hâte que la bibliothèque soit faite autour, là. Je suis tannée de voir les films et voir ça à l'envers. Mais, hein, Cato, tu vas-tu passer une belle journée? Tu feras pas trop de bobos avec ton gobelet? C'est déjà mon épile à la poque, hein? Oh, tu te minutes. Ah, elle attend du gobelet. Oh non! T'as dit ton gobelet! Ah, Vivi! Je vais t'en donner un. Ah, petit bébé d'amour. Bon, on va en donner un. Puis en plus, maman va te laisser rentrer à matin. Vas-y. Rentre dans la cuisine. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouvre la porte. Donne un gobelet. Il est où ton gobelet? Hey. Ouais, il va te donner un gobelet. Es-tu content d'être en cuisine? Donne un gobelet à Pédiasu. Puis donne à maman. Donne. Oh. Ouais, bravo. Prends-le, ma chupette. Regarde, là, vous voyez qu'est-ce qu'elle fait, regarde. Elle fouille dans les céréales. Là, si on serait quelques minutes sans surveiller, ben, elle ouvrait les boîtes, elle les renverserait. Hein? Pour tout qu'on n'aime pas quand on rentre ici, regarde la fouiller.
Non, non. De toute façon, là, non. Là, je vais pas te faire des dégâts. Là, on va aller en auto, Katia. Viens, on va en auto. Viens mettre les bottes. Non, on fouille pas dans le frigidaire. Viens. Et maman, on va aller en auto. Viens. Ouais, hey. On va aller mettre tes bottes. Va dans l'entrée, Katia, ça va en auto. Oh, t'es bonne. T'es bonne, tu comprends bien. T'es fine. Ouais, on va mettre les bottes. Sont où les bottes à Katia? Sont où les bottes à Katia? Katia, sont où tes bottes? Où les bottes? Montre les bottes à maman. Sont où tes bottes? Où les bottes? Où les bottes à Katia? Sont où les bottes? On met-tu les bottes? Où les bottes? Bottes? Et tout à l'heure de ma tête, ils ne l'ont à dire. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Es-tu contente que ce soit le printemps? Es-tu contente que ce soit le printemps aujourd'hui? On va aller se promener en auto, les fenêtres ouvertes bientôt. Ouais, on va sentir le vent. Oui? Es-tu contente d'aller à l'école? Es-tu contente d'aller en auto? Hein? Es-tu contente d'attendre d'aller en auto, belle fille? Oui, vas-y. Ouais. Et là, là. Elle va t'aider. Un, deux, trois. Allô? Il est rendu, on s'en va encore. J'ai ramassé la vaisselle, j'ai parti du lavage. J'ai parlé au téléphone avec ma soeur, Maryse. Là, savez-vous ce que je vais faire? je vais aller laver ma porte patio. Je sais pas si vous voyez comment il y a des doigts dedans. Puis tout ça, Katia, tu es en train de mettre ses mains dedans. Là, je vais laver les deux côtés intérieur-extérieur. Mais là, ça m'en fait quatre grandes vitres à laver. Mais je vais être contente. Je vais aller faire ça. Tandis qu'il n'y a pas trop au soleil. Puis à midi, ben, on mange de la pizza congelée. J'ai hâte de dîner, vous savez. Hein? Moi, j'aime pas cette pizza-là. Là. Justement. La première fois, j'essaye. La sorte choix du président, par exemple. J'espère qu'elle va être aussi bonne que l'autre marque. Puis, c'est ça, on va être sur notre dîner. Ouais, ça va être très bon. Puis, je vais aller laver les vitres. Je vais partir le four en attendant, par exemple. Tiens, c'est parti. Laver la vitre maintenant. Il est 2 heures. J'ai lavé. J'ai chaud, pas le droit de faire du ménage d'entraînement. Hein? J'ai lavé toutes mes planchers à grandeur en bas. Tout dans le salon. Tout à grandeur, là. Dans la salle de bain, dans la salle de lavage. Dans la chambre à Katia. J'ai lavé l'escalier. L'entrée. Puis là, je suis contente. J'aimerais même aller faire en haut. Mais je voudrais aller marcher aussi, fait que je sais pas trop. Mais ça, je vais vous dire, c'est hot. Je sais pas s'il y en a qui savaient, là, mais on a des planchers chauffants. Puis, je n'en reviens pas comme c'est autre quand on lève les planchers, quand on a des planchers chauffants, c'est que ça sèche tout de suite. Tu sais, tu t'en fais de base, c'est déjà sec. Fait que c'est le fun, tu sais, que des fois, ça te déplanchait, t'es stressé, les enfants pas occupés tout de suite. Ben, avec des planchers chauffants, c'est merveilleux, là. J'ai oublié de vous leur dire ça. J'ai oublié de vous dire ça, que j'avais trouvé ça. Fait que là, je vous le partage. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Fait que je viens que vous dire ça. Fait que je vais continuer. Parce que je vais aller marcher, puis, tu sais, il me reste 1 heure. Et demi, je voudrais aller marcher, puis je voudrais faire le haut. Je voudrais juste mon lave-vaisselle, je voudrais plier du linge. Fait que, c'est ça. C'est vraiment plaisant à marcher. C'est fou. C'est tellement le fun. On entend les oiseaux, ça fond, on va se couler. C'est cool. C'est vraiment le fun. Je suis contente d'être venue marcher. Bon, il est 3h20, j'ai eu le temps de vider la vaisselle, plier ma brassée de lavage, aller porter ça en haut. Là, je vais en plier le linge, j'ai allumé, garde les couches, je peux encore pas rappeler. Fait que là, je sais toujours pas sur laquelle la livraison.
je stresse au bout. Moi, je vais être prêt à aller m'acheter un autre paquet. Ça, je trouve ça du gossage depuis qu'on est avec cette compagnie-là. Là. Tu sais, avant, j'appelais quand j'en avais besoin, mais là, ils sont supposés de m'appeler, mais ils m'appellent pas. Hey, ils ont livré les couches le 6 février, la dernière date. C'est ça, attendez un petit peu. Je vais checker, mais ça, c'est le 6 février. Je sais pas si c'est le 6 février qui appelait. Le 6 février. Livraison de couches, ouais. J'ai pas eu de couches depuis ça. En tout cas, je trouve pas ça drôle. Là, je vais aller chercher les lits, je vais en profiter de retourner dehors, on est tellement bien, là. Fait que j'ai hâte de le voir, là. Je vous avoue, j'ai hâte de voir comment il a trouvé ça, partir, embarquer dans l'autobus quand j'étais pas là, son spectacle, comment il a trouvé ça. Fait que je vais le rejoindre. Allô, Lucas? Allô? Hey, t'as réussi à prendre l'autobus, tu sais? Là, j'ai juste en fait mon premier jour pour avoir Mario de l'île. Mais comment t'as trouvé ça, prendre l'autobus, finalement? C'est-tu correct ou t'as eu un petit peu de peine? T'as trouvé ça un petit peu dur? C'était encore mieux. Yeah! Mais je trouvais que c'était encore mieux parce que je me sentais plus grand quand j'étais tout seul. Ouais! Ah, oh, je suis contente. Ça allait très bien. Puis ça allait encore plus bien quand ça allait très bien parce que je me sentais plus grand. Bon! Ça va aller encore plus bien. C'est cool, je suis fière de toi. Je suis fière. Ouais, tes crêpes, t'es bonne? Ouais. Ouais, je suis fière de toi, Lucas. Ah, puis ton spectacle, était-tu bon? T'as trouvé ça vraiment bon? Oui, il était full drôle. Ah, tant mieux. T'as-tu vu Nick? Non. Non? Ah, non, je l'ai pas vu. Ah, c'est plate. Là, t'as essayé de faire Allez, là, c'est plate. Lucas voulait faire du vélo, mais là, son vélo, il prend en arrière dans la petite cabane à Cassia. Puis là, ben, il est arrivé le sac à con ouvert. Puis là, j'ai regardé en chanson qu'il manquait sa pochette orange. Sa pochette orange pour son comportement. Fait que là, j'ai envoyé voir dans la rue s'il n'était pas tombé en s'en venant. C'est ce qu'il allait faire. Sinon, ça veut dire que dans la bus, j'espère que le prof n'aimerait pas ça pour pas trop écrire ses comportements. Puis là, je suis en train de faire un petit peu des bébés. Je fais des pâtes. Je vais faire des pâtes avec du jambon. Je fais écrire du jambon dans le poêle. Je sais pas si vous voyez. Puis, je fais écrire des chou-fleurs. Et ça va être ça juste pour mes bébés. Nous, ben, je sais pas. Ce qu'on va manger, je vais pas vous dire. Puis. Ah, ouais, j'espère que demain, j'espère. Ouais, peut-être à l'école, c'est vrai. Là, il dit qu'il l'a pas vu. Fait que là, on espère qu'il est dans l'école, dans son pupitre ou bien dans l'autobus. Mais toi, tu te rappelles pas si t'es mis dans ton sac? Hein? Tu te rappelles pas si tu l'avais mis dans ton sac? Oui, je l'avais mis. Tu l'avais mis dans ton sac? Ben, c'est ça qui est tombé, ça, dans l'autobus. Ça va falloir demander au chauffeur demain soir. Ah, oh, j'espère que tu vas le retrouver. Hey, là, Marcato. Ouais. J'aimerais que tu fasses le souper. Je fais des pâtes avec du pesto, du fromage, tout ça. Je vais rajouter du jambon que je vais couper avec du chou-fleur. Je vais rajouter ça. Fait qu'elle, elle va manger ça. Puis, là, Lise, elle s'en vient d'une minute à l'autre pour la faire manger, donner son bain. Mais regarde, en débarquant quatre du taxi, elle a donné un coup dans ma face avec ses doigts. Puis ça m'a tout arrivé ici. Regardez, j'ai tout l'œil rouge. Ça, c'est hyper d'enfant. T'as envie de te frustrer sur le coup, là. T'es là pour l'aider, puis là, elle te fait mal. En tout cas, des choses qui arrivent, hein. C'est pas de sa faute qu'on se dit. Oui, maman. Non, pas eu. Ah, chanceux, tu l'as eu. Regarde-le, c'est encore à toi. Non. Lui. Non. Bon, moi, t'arrêtes de jouer avec Lucas aux choses Pokémon, mais là, Katia a encore fait caca dans le bain. Ça fait deux fois cette semaine qu'elle fait caca dans le bain, fait que son bain était courtouille. Le set avec Lise, là. Lise t'a fait donner son bain. Fait qu'elle a fait caca encore. Là, ben, mon chum, t'allais sortir le vélo à Lucas. As-tu réussi, papa, à sortir ton vélo? Nick avait hâte de faire du vélo, mais son vélo il est brisé. Annick avait reculé dedans. Toi, tu dis que tu vas être correct quand même. Oui, mais moi, ouais, mais avant, là, j'allais bien. Qu'est-ce que tu penses, Fluffy? C'est juste ton jouet, là. C'est juste ton jouet, Fluffy. Calme-toi, là. Mais vite, t'es sale, là. Je l'ai pas lavé. J'ai hâte de voir si. Vas-tu réussir? Oui, j'espère que oui. Oui, il va réussir.
Hey. Une chose qui est fort, hein? Ouais. Il va... Oh my god! Mais tu la vois? Je souhaite qu'il l'aille. Ouais! Yes! Tu vas pas aller à l'enfer. Puis, je pense que tu vas mieux mettre ta soupe pareil, hein? Oui. Pour mettre tes pantalons. Non, qui est heureux d'aller faire du vélo. Salut! Je viens vous dire bonne nuit. Il est juste 8h15, mais je suis très fatiguée. Je vais prendre mon bain. Je pense que je me couche dans le lit. Mais je me couche pour la nuit, je veux dire. C'était peut-être que je vais me coucher dans le lit. Puis, on s'est fait des pâtes au pesto. C'était très bon. C'est ça, Lucas, là, il est allé faire du vélo, comme vous avez vu. Après ça, il est rentré, on a écouté un petit peu passe-partout. Là, il y a un ami qui est venu le chercher pour jouer dehors. Fait que là, il est sorti pas longtemps après. Puis là, après ça, il a refait du vélo, il a joué au hockey avec les amis dans la rue. Il est rentré, j'ai donné son bain, j'ai donné un chocolat chaud avec une toast. Après ça, il s'est couché, je vous jure, 5 minutes, puis dormait. On capotait. Je connais qu'il est monté en haut pour venir le voir, j'osais aller comme un peu, puis il dit « dors déjà ». Fait que, puis, tu sais, il m'a même dit qu'il était fatigué, mais il a hâte d'aller se coucher, là. Fait que j'ai hâte de voir demain s'il va retourner à l'autobus. Tu sais que je vais pas repartir avec l'autobus arrive. J'avais hâte de voir. En tout cas, je suis fière de lui. Puis, ben c'est ça. Demain, j'ai mon rendez-vous chez optométriste. C'est-à-dire, aussitôt que Katia part pour l'école, il faut que je descende à pied. Je vais retenir au courant, c'est certain. Ben, que je vous dis bonne nuit. Merci de m'avoir suivi encore dans cette journée. Dans cette journée de la semaine. Je vous aime beaucoup. Merci d'être là. Bye! À demain!